Agendas, Fritkot, Bernice Burgers. Trois inscriptions face à moi dans la gare du Midi. Il est 10h17, non 18 maintenant. J'attends toujours le pote de Blablacar qui doit théoriquement me trouver ici. Enfin, il m'a appelé pour me dire qu'il allait arriver, que soit j'allais devoir l'attendre devant l'hôtel Ibis ou qu'il allait venir jusque-là. Bon, il y a le quart d'heure, même la demi-heure académique. Ça fait partie du voyage. Il semblerait que le premier contact avec la ville de Strasbourg, ça va, tienne un peu la route. Faut dire que sans avoir un GPS dans mon smartphone, eh bien, si je me démerde un peu via Google, il y a moyen d'avoir le plan Maps. Ainsi donc, je me suis dirigé de la place de l'Esplanade. Enfin, je viens de là où le pote de Blablacar m'a déposé. Et je me dirige vers le quai de Burkhoff. Je suis déjà au quai des Tuileries. Je devrais normalement tourner à gauche à l'avenue Aristide-Briand pour tourner à droite et ensuite arriver au quai de Burkhoff. Brukhoff, enfin, c'est là que je loge pendant 2 jours dans cette ville alsacienne. Et à Strasbourg, il y a aussi une gare centrale. On emporte partout ce qu'on connaît déjà, n'est-ce pas ?
Strasbourg. Qui se souvient du feuilleton dans les années 70 ou 70 avec Raymond Bure, qui s'appelait l'homme de fer. Prochaine station, Langstrasse, Grand Rue. Mais Freddy, écoute, tu m'écoutes, hein? Depuis Bruxelles. Eh bien, Strasbourg, il y a une gare centrale aussi.